Moi, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette fessie-là. C'est-à-dire qu'une organisation dans laquelle on forme des gangsters, des brigands, des bandits, c'est pas quand vous arrivez dans les universités là, c'est n'importe quoi. Hein. Ces éléments de la fessie-là, vous les regardez là, c'est des fumeurs de drogue, pour la plupart. Quand on dit nous avons créé une organisation qui défend les intérêts des étudiants et des élèves, mais il faut être discipliné. Mais il n'y a aucune discipline dans cette organisation-là. Mais je dis bien Dieu merci parce que les choses ont commencé à changer avec le nouveau secrétaire Cambou, je crois que c'est Cambouzier. Lui au moins, il est intellectuel, il agit intellectuellement, pacifiquement et de façon professionnelle. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il y a certains de ses camarades qui sont contre cette manière de faire. Les gens se plaignent, ses camarades de la FESI se plaignent de la manière dont il procède. Les gens disent qu'il est un fainéant, que vraiment la FESI, ce n'est pas ça, ce n'est pas des négociations, ce n'est pas le silence. La FESI, il faut être violent, il faut utiliser la force, mais ça c'est de la merde. En fait, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi l'État ivoirien ne peut pas faire quelque chose pour faire disparaître cette fessie-là, quoi. Parce que les problèmes que nous avons connus en Côte d'Ivoire, c'est la même fessie qui a été à la base, qui en a été à la base. Dit Cambou est venu pour lutter pour les impôts. Regardez un argument aussi fallacieux. Qui les étudiants, les secrétaires généraux veulent lutter pour les intérêts des élèves étudiants, ils parlent de drogue. Des choses comme ça. Comme si la drogue ne circulait pas dans les résidences universitaires, ne circulait pas dans les écoles de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu à tel point on a arrêté certains élèves avec la drogue. Donc si en tant que secrétaire général national, je ne suis pas en mesure de dénoncer, de combattre ce fléau, mais pourquoi je vais dire que non, je lutte pour les intérêts des élèves étudiants? Pourquoi je vais dire non, je veux vraiment que nous, on soit une élève sûre. Si on n'est pas en mesure de critiquer ce qui n'est pas bon. En m'attaquant à la drogue, je savais que non, j'aurais des adversaires internes et externes. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui sort. Ceux qui contrôlaient ces canaux mafieux-là, c'est eux qui sortent maintenant. On recrute. À tout moment, je vous parle, on assiste. Mais les gens sont en train de recruter dans la rue pour venir faire de la violence à l'université. Les badauds n'ont jamais gagné une guerre, un combat à l'université. Ils vont venir, on va pas s'asseoir pour les regarder. Et vous allez penser que c'est la physique qui est en train de faire de la violence. Or, nous serons en train de nous défendre. Donc, c'est un fonds de l'Union nationale et internationale. C'est plus calme. Parce qu'on a tellement de preuves, des audios, des enregistrements, de ces pseudo-seigneurs qui disent que non, mais Cambou ne peut pas être comme ça, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire, il faut. Non. Je suis désolé. J'ai pris un engagement devant la nation ivoirienne. De ce qu'on veut faire la mue de l'organisation, on voudrait ramener notre organisation sur un chemin citoyen. Mais quand on parle de chemin citoyen, c'est de rester loin de la drogue, c'est de rester loin.